Éric Perrin, propriétaire, donc avec mon frère là, du domaine, qui est un vaste domaine qui fait une centaine d'hectares et avec une répartition un peu atypique pour la région, puisque Carbonieux est donc écru classé pour ses deux couleurs et planté pour moitié en vigne blanche et pour moitié en vigne rouge. Les raisins blancs, après un été qui n'a pas été le plus beau que l'on ait connu en fait en Gironde, a connu une arrière-saison et en fait un été qui a démarré le 25 août. Ce qui a permis sur les vins blancs de garder de la fraîcheur, de la vivacité et des vins blancs qui nous régalent en fait aujourd'hui. Continuant en fait dans cette période d'été, ça a permis de bien faire mûrir les Merlot et les Cabernet Sauvignon. Et en l'occurrence aujourd'hui, moi j'ai toujours en mémoire de la vinification, des Cabernets qui sont merveilleux et que l'on retrouve aujourd'hui en fait à la dégustation. Donc on retrouve sur une des caractéristiques des vins blancs de la fraîcheur, de la vivacité, mais tout ça en harmonie et très équilibré. Et sur les vins rouges, quelque chose que l'on a sur les grands millésimes, des associations de puissance, de finesse, d'équilibre et d'élégance.